Bonjour les amis, voilà la vidéo d'aujourd'hui commence. Et elle va parler de comment bien utiliser WordPress. Ok? Vous avez vu, c'est plus hashtag partage parce que ça c'est seulement un compartiment de hashtag partage qui s'appelle formation. Donc il va y avoir hashtag partage, voilà, il est là. Et il va y avoir des formations, des hashtags formation, et ce n'est que une sous-niche de hashtag partage. Donc, dans le cas où je vais, où vous allez recevoir un hashtag partage, ça veut dire qu'il y a plusieurs sous-niches de hashtag partage. C'est-à-dire, il va y avoir formation, il va y avoir affiliation, il va y avoir dropshipping, il va y avoir mindset, etc., etc. Donc, chaque compartiment va parler de ce qui, de son contenu précis. Dans les cas de formation, il va y avoir rien, ici, rien que des formations. Maintenant, attaquons-nous au sujet d'aujourd'hui. C'est pour les gens qui veulent, bien entendu, utiliser très très bien WordPress. Cette vidéo est pour vous. Ce PDF est pour vous. OK? On passe. Voilà, vous êtes ici dans un article de site qui parle de guide WordPress 2020, comment bien utiliser WordPress. Et là, vous avez un sommaire qui commence là et vient là. Enfin, ça, c'est toutes les étapes par lesquelles vous devez passer pour installer votre WordPress. Donc, il y a là, il y a les étapes. Les étapes, c'est introduction, interface d'administration, page et article, thème, extension, profil, créer un identifiant complexe, créer un nouvel utilisateur avec un identifiant complexe, réglage général, écriture, lecture, discussion, médias, pas mal lien, confidentialité, passer son site en HTTPS, générer un certificat SSL, sauvegarder ton installation, mettre en place le HTTPS sur ton installation, et le titre continue, l'article continue. Et bon, puisque ça continue, regardez ici la main elle est ouverte là, elle est ouverte, elle est fermée avec l'index, ce qui veut dire que c'est toute cette partie, regardez bien. Et il y a un lien, par exemple, cliquez dessus et on va être dans le site. Dans le site, vous allez seulement voir une petite partie, mais normalement la page est beaucoup plus large parce que mon ordinateur est beaucoup plus ouvert que la capture, bien entendu, du PDF. Et là, c'est tout est expliqué ici, tout est expliqué ici. Vous allez avoir tous les trucs parce qu'il y a, même dans le texte, il y a des liens qui vont vous envoyer vers autre chose. Regardez, ils sont très nombreux. Regardez, Antispambi, c'est très professionnel. Rien à faire. Là, modifier ton identifiant dans ta base de données, etc. etc. Voyez? Donc, moi, je quitte ça pour revenir à mon PDF. OK? Donc, je passe à la suite. Je passe à la suite. Regardez. Là, il y a des vidéos WordPress extraites de différentes chaînes avec S, ici, YouTube. Et chaque groupe de lignes, c'est une formation, ok? Et le truc là qui s'affiche, c'est le lien justement de cette formation. Ça change, regardez, ça change, ça change et ça change. Donc tout est là. Je peux, par exemple, je cours, on passe à aller plus loin. Bon, je vais cliquer ici, n'importe où. Partout sur le groupe de lignes, n'importe où, vous allez être redirigé vers une vidéo YouTube.
et on va vous parler de WordPress. Là, vous n'entendez rien parce que j'ai désactivé le micro. Donc, Thrive Theme Builder enfin customiser son thème WordPress facilement. Donc, il vous donne une solution. Ok. Donc, allez, voilà. Je clique n'importe où. Par exemple, je sais pas moi, je clique ici et vous n'allez rien entendre, bien sûr. Le micro est désactivé. Voilà, son écran. Il est en train d'expliquer. Voilà. Il explique. Il parle de catégories. Il va supprimer des catégories. Il y a beaucoup de créations d'écriture. Il n'y a rien à montrer là. C'est vraiment. Ça, c'est des démos sur ordinateur. C'est normal. Je vais vous montrer quand même ici. Voilà, ça c'est une boutique. Ça c'est WooCommerce, c'est part de WooCommerce. Évaluation. Il ajoute au panier. Voilà, il ajoute un panier, un bouton. Il part de fil d'Ariane. Donc il enlève, il vous montre exactement ce qu'il fait. Donc ça dure 26 minutes ici. Voilà. Voilà. Donc, je vais encore suivre. Voilà, il y a ici, il y a 41 formations. Ok. Donc, il y a de quoi vous débrouiller pour. Là, il parle de WooCommerce. Là, c'est de A à Z. Créer un site de A à Z avec WordPress. Celui-là, c'est un spécialiste. Voilà. Créer un site internet de A à Z facile. Votre site en ligne en une vidéo débutant WordPress. C'est en 1h45. 1h45. Voilà. Je cherche des endroits où il y a quand même des images pour que vous puissiez quand même voir quelque chose de compréhensible, sinon il va y avoir beaucoup d'écriture. Voilà, c'est les thèmes. Ça c'est les thèmes qu'il faut installer pour personnaliser votre site. Là, il parle de carte. Donc vous devez par exemple installer votre emplacement, le plan de situation, là où vous êtes. Voilà. Là. Là, il montre autre chose. Ça, c'est le script. Donc, vous aurez tout ça entre les mains. Vous allez lire les titres et puis vous allez vous débrouiller, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, je chasse et puis voilà. Je vous ai parlé de ça. Voilà. Alors, il faut retenir ça. Normalement, le produit, c'est hashtag partage. Si vous recevez un PDF, hashtag partage, ça veut dire qu'il y a tout dedans. Dans le cas de formation, il n'y a que formation. Ce qui veut dire que formation ne fait que une sous-niche de hashtag partage. Dans hashtag partage, vous allez trouver formation, vous allez trouver peut-être dropshipping, peut-être mindset, peut-être enfin tous les thèmes qui sont qu'on utilise sur le web. Ok, voilà. Mais si c'est seulement un truc de formation, vous allez retrouver formation. Maintenant que nous avons par exemple ici, on parle de WordPress. Il y a bien entendu d'autres outils où vous pouvez créer votre site. Il y a par exemple Wix. Bon, si c'est Wix, vous allez avoir
comme ça ici, ça commence par WordPress, et puis après WordPress, vous aurez Wix. Vous aurez Wix ici. Après, vous allez avoir rien que des outils pour faire, pour créer vos sites web. Ok? Alors pour le dropshipping, bon, c'est dropshipping, etc., etc. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Mais une fois que vous avez bien entendu, vous avez vu tout ça, vous tomberez sur autre chose. Et j'ai commencé parce que ça va se développer. Vous n'allez plus recevoir seulement un PDF en une page ou trois pages. Vous allez carrément recevoir carrément des e-books. Hein. Où il y a beaucoup de d'interactivité entre énormément de choses. Vous voyez, par exemple ici, je parle de WordPress, je parle de WordPress, voilà, il y a un article, site, et puis il y a 41 vidéos ici. Ça fait beaucoup. Et puis, bon, ça, c'est interne à moi. Vous allez savoir de quoi, quelle est la politique de la boîte et tout ça. Qu'est-ce que je concocte pour vous et tout ça. Mais chaque fois que vous allez recevoir, par exemple, un truc sur formation, vous allez recevoir ça avec une autre couverture qui va mettre en exergue le thème abordé. Par exemple, c'est pas moi. Formation sur affiliation, mais vous allez commencer ici par affiliation, vous allez trouver énormément de liens sur les affiliations ici, et puis bien sûr s'il y a autre chose au lieu d'affiliation, si vous avez un autre thème, vous allez le trouver à la suite, et ainsi de suite. Ici, vous allez par exemple, c'est WordPress. Supposons que je reçois, je mets quelque chose sur Wix. Wix, vous allez trouver, bien entendu, l'article sur Wix ici, les liens de Wix ici, et une fois que c'est terminé, vous allez retrouver l'ancien, c'est-à-dire WordPress. Vous voyez, vous allez retrouver ça encore, WordPress, et ça va s'enchaîner. Vraiment, pas à l'infini, mais vous allez avoir quand même beaucoup d'informations sur le truc que vous recherchez. Parce qu'il y a tellement de demandes que normalement, il faut quand même qu'on compartimente ça. Si j'ai créé ça, c'est parce que je peux pas tout donner, sinon on va tomber sur des annuaires énormes, gros, comme pas possible. Et là, vous allez recevoir rien que, par exemple, l'histoire de formation WordPress. Les formations. Ou dans le cas où, par exemple, si vous voulez, si vous demandez, par exemple, seulement WordPress, vous allez recevoir rien que WordPress. C'est-à-dire, vous allez recevoir ça. Ça. Tout simplement. Voilà. Ça s'arrête là. Ok? Voilà, donc c'est les possibilités que je suis en train de vous offrir maintenant. Et bien entendu, dans le cadre de partage, il va y avoir énormément d'autres thèmes, parce que rien que pour, par exemple, la musique douce, la musique relaxante et tout ça, vous allez avoir des trucs comme ça, des PDF comme ça. Où je présente, par exemple, c'est pas moi, une musique, et puis beaucoup de liens de musique d'autres auteurs. Ok? Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis, donc, à la prochaine et à demain. Merci. Bye.